Je m'appelle Joséphine Aubé, j'ai 32 ans. J'habite à Paris et je suis maman de 3 enfants. Je travaille dans le secteur de la finance, en particulier dans le domaine de l'investissement. Je suis membre bénévole de l'association Ora et Labora, qui est une association de professionnels de la finance, et en particulier de l'investissement, qui a été créée en 2012. J'ai rejoint Ora et Labora pour trouver du sens et réussir à agir en chrétienne au cœur de ce métier qui peut être très controversé et qui est plein de tentations. Le secteur financier a connu beaucoup de dérives, une déshumanisation, une technicité à outrance, vraiment beaucoup d'éloignement du cœur même de la finance qui est financer l'économie réelle. On a écrit un livre, « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». C'est avant tout un livre qui nous aide à retrouver notre responsabilité d'investisseur, à remettre l'homme au cœur de nos décisions, à remettre le bien commun comme finalité, à travailler l'exercice des vertus dans la prise de décision. Et vraiment, on l'a pensé comme un outil pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment agir au cœur de ce système. Et par ailleurs, à partir de septembre, on initie, donc la semaine prochaine, les parcours de la finance intégrale. Donc, parcours de formation, Ora et Labora. J'ai choisi de travailler dans le secteur financier parce que je pense que c'est là que je peux avoir le plus d'impact pour faire avancer les choses et changer le monde. Quel que soit l'endroit où on est, c'est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice, que chacun défende ses valeurs, ses convictions. Quel que soit votre métier, ne baissez pas les bras, entourez-vous de gens qui partagent vos valeurs. Chaque petite goutte fait un océan.